Bonjour, aujourd'hui je vous lis Dounia, une histoire de Zizou et Natacha Kasvoskaya, éditée par Mijad. C'est parti. Dounia. On l'appelle Dounia, c'est un beau prénom, chaud comme le pays d'où elle vient. Sa maman et son papa sont morts il y a longtemps déjà. Maintenant, Dounia a une autre maman et un autre papa qui l'attendent ici en Europe. Sa nouvelle maman s'appelle Caroline et son nouveau papa s'appelle Étienne. Ils sont gentils, leurs yeux brillent quand ils regardent Dounia. Dounia aimerait bien leur dire bonjour, mais elle n'ose pas encore. La voiture traverse une ville immense, sans soleil. Caroline se retourne pour voir si tout va bien. Elle sourit. Dounia aimerait lui rendre son sourire, mais elle n'ose pas encore. Nous sommes arrivés, lance Étienne, 27 rue des Jonquilles. C'est ta maison. Dounia aimerait demander ce que sont les Jonquilles, mais elle n'ose pas encore. Jamais Dounia n'était entrée dans une aussi grande maison, une maison avec la forêt à l'intérieur. Dounia aimerait courir partout, mais elle n'ose pas encore. Une cuisine comme un magasin, un salon comme une bibliothèque, des couloirs comme un musée. Dounia aimerait toucher à tout, mais elle n'ose pas encore. Dounia a une chambre pour elle toute seule, un miroir pour se voir grandir, une lampe pour faire peur à la nuit et un lit pour rêver. Dounia aimerait sauter sur le lit, mais elle n'ose pas encore. Le chat s'appelle Macaron. Il ronronne. Il est content d'être là. Dounia aimerait le prendre dans ses bras, mais elle n'ose pas encore. Demain, il est déjà tard. Caroline vient border Dounia et pose un baiser sur son front, un baiser tout chaud. Dounia aimerait bien embrasser Caroline, mais elle n'ose pas encore. Demain, c'est sûr, Dounia osera. Et voilà, à bientôt.